Bienvenue, bienvenue sur Skyrim Berserker. Oh yeah, c'est nul cette intro. Il va falloir que je pense à la changer, franchement. Hein, quand même Berserker, oui, ça pète, mais alors yeah, voilà, c'est démodé quoi. Il va vraiment falloir que je change. En tout cas, bienvenue les gens sur, bah, je viens de le dire, sur Skyrim. Alors, et résumé de l'épisode précédent, on a rejoint les compagnons. Voilà, les compagnons nous ont dit. Il faut que tu trouves le chef des bandits, que tu le tues. Ok, on l'a tué. On est revenu. Oh, cette musique. On est revenu et du coup, on nous a dit d'aller chercher un fragment du Brutrad qui est une truc de hache, un morceau de hache, je crois, un truc comme ça. Sauf qu'en cours de route, nous sommes tombés sur un putain de dragon. Ça partait sur un truc vachement épique. Sauf que ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Donc, du coup, on est reparti. Et on va lui foutre sa race. Les mammouths sont très courants dans la toundra de bord des ciels. Les troupeaux qu'ils forment sont généralement gardés par les gens qui y habitent. Ce sont des créatures paisibles à moins qu'elles se sentent provoquées. C'est intéressant, dis donc. Ah là là là. Par contre, les géants, c'est des gros barbares, quoi. Vas-y, qui taillent dans le... sur l'ivoire, quoi, des mammouths, quoi. Ne me faites pas croire que les mammouths, c'est comme ça que ça fait ça. Tout poison appliqué sur l'arme que vous tenez en main sera utilisé lors du prochain coup. Oh, c'est intéressant. Je sens que je vais le descendre, ce mec-là. Bon, après, c'est beau, quand même. Hein. Et le jeu, ça va, il a pas trop vieilli. Hein. Il est beau. Il faut le dire, il est beau. Il est beau. Mais non, mais pourquoi, mais ça marche pas? Pourquoi mes sauvegardes ne marchent pas? Vous voilà. On s'en fout, bats les couilles, vas-y, trace, vas-y, je m'en balais, quoi, ça sera un honneur, voilà. Nous vous mettons. Farka, il répond. Ne me décevez pas. Pourquoi mes sauvegardes ne marchent pas? Il est où, Farkas, il est là. J'espère que vous avez fait les préparatifs. Apparemment. Oui, on s'en balaye. Allez, vas-y, on perd pas de temps. Allez, voilà. Ne perdons pas de temps, frère d'armes. Voilà, exactement ça. Ce que je suis en train de dire, bordel. Allez, monte. Allez, c'est parti. Je vais juste aller chercher un truc au cas où. Là, c'est un dragon, on est d'accord, les gens. C'est un dragon. J'ai une armure esprit pour ça qui m'attend. On va aller la mettre dans le sac. Parfait. Parce que là, on va passer en mode vénère. On va passer en mode vénère. Non, on va garder l'épée. Par contre, on va juste changer de... Hop. C'est bon, je te prie. Transformation! Et je suis trop lourd. Oui. bon. Eh ben. Pourquoi je suis trop lourd? Qu'est-ce qui fait que je suis trop lourd? Arme. Ça, on va l'enlever. Et du coup. Je peux courir, ok. Tenue. Ouais, c'est bon, j'ai ma cape. Ah, je me tâte. Ouais, ça serait abusé. Hein. Je vous vois déjà en train de dire hey, c'est facile. Oui, mais c'est l'épée qui est fait exprès. Alors merde. 402, 405. Hop. Justement, le but c'est de la rendre la plus puissante possible. On va voir ce que peut aller cette épée. Cette épée là, je m'en sers que contre les dragons. Et les boss finaux. Alors, 1. Et encore, je me tâte.
Oui, alors voilà, qu'y a-t-il dans le sac? Oui, on va attendre, on va s'y soulager quand même. Ça, par exemple. Ça aussi, ça me prend de la place. Voilà, on sent mieux. On sent mieux. Non, tu fais n'importe quoi là. Voilà, chevauchon. Voilà, parfait. C'est dommage qu'ils ont pas fait un mode justement que t'as la prothèse, machin, tout ça. Et en fait, comme un peu loup-garou, en fait, c'est qu'on a on appuie sur un bouton, donc pour la transformation, et hop, on devient le berserk. Là, ça serait pas mal, ça. Je sais pas si ça existe. À l'assaut! Ah, il est où ce putain de dragon, hein? Alors, système, sauvegarde rapide. Et on vérifie que la sauvegarde a bien marché. Ça a bien marché. Ok. Ah, il est où ce putain de dragon? Il est où? Il est là. Ça, déferlement, c'est bon. Tiens, c'est pas le même. Allez, pourquoi il marche pas? Alors, on rigole pas! Foiré! Crève! Prothèse. Merde, j'ai gardé le casque, c'est con. Tenue. Le casque. Voilà. Bon, j'avoue, c'était moins épique. J'avoue. Donc, l'épée, je me. Bah, justement, on va vérifier une chose. -13. Pourquoi -13? Donc non, en fait l'épée monte par rapport au niveau que vous avez. Ce n'est pas par rapport au dragon. D'accord, c'est parce que je suis fatigué ou un truc du genre. Ok. D'accord, donc c'est par rapport au niveau. Plus vous gagnez de niveau et du coup plus l'épée monte. D'accord, ok. En fait j'ai l'impression que c'est ça qui fait chier. Alors attendez, voilà. Non? C'est pas ça. C'est... Ça? Non, c'est un bug. C'est chiant! Alors attendez, on va essayer de régler le problème. Au fond de ce dragon. Où est mon cheval? D'accord, je siffle, c'est lui qui se pointe. C'est quoi ce bordel? Il est vraiment mort? Ah, il est mort, ouais. Eh oui. Il est là, ok.
Bon. Ose dragon, rugby parfait. Voilà, on s'en fout. On va sauvegarder. Alors, attendez, qu'y a-t-il dans ce sac? Donc, je décrète que cette épée, je ne vais plus m'en servir. Elle va servir de déco. Elle va servir de déco, mais voilà quoi. Qu'y a-t-il dans ce sac? Alors, attends, j'ai pas fini encore. Oups là, non, je fais des conneries. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est que je l'avais récupéré. Voilà. Face cover, ça on va le garder. Défenseur cœur, qu'est-ce que je fais avec ça moi? Pose de dragon, peau d'ours, peau de biche. Ok, torche. Et. Je n'ai plus de boisson par contre. Ah ah ah, ça c'est con. On va sauvegarder. Sauvegarde rapide. Et. Attendez, je m'assure que c'est fini. Voilà. Et des fois en chargeant, ça peut l'enlever ça. Ça n'enlève pas. Ok, ça va être très très chiant. Ça va être très très chiant. Donc je vais, prochain épisode, pour moi-même, enlever le truc là, parce que c'est super chiant. Capuchon, voilà. Hop. On y arrive. Allez. Alors du coup, c'est par là. Retrouve le fragment, c'est ça. Ouais, donc l'épée, ouais, non, non, l'épée c'est vraiment abusé et tout. On va garder celle-là en plus 110, je crois que c'est assez puissant. Faudra comparer avec d'autres épées et tout, mais sinon c'est un peu abusé quand même. Y'a pas le plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, si on suit fidèlement le manga, Gus c'est quand même le mec imbattable quoi. Mec qui est capable de poutrer des apôtres, des machins, tout ça. Et au fur et la sorcière précise bien que son épée, plus est tue d'apôtre et plus elle prend du pouvoir. Donc voilà. On passe sur le seuil et tout. On verra bien. On verra bien suivant quand ça tournera. Et bah du coup on doit aller là-bas. J'ai jamais été encore. C'est impressionnant comment le temps passe vite. Ah bah il est là-bas. Excuse-moi, j'étais un peu bousculé. Allez, on est parti. Oppressante. On va baisser un peu la musique quand même. On va un peu baisser la musique, même si moi j'aime bien avoir de la musique, mais bon, ça peut être dérangeant pour vous. Ça, c'est à vous de me dire aussi si vous voulez plus, un peu plus de musique, un peu moins. Voilà. T'es ce costaud, t'es l'autre qui m'emmerde là, le machin qui est juste devant moi. Ouf. Toi, tu t'en occupes pas. Ah non, non, siffle pas. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Bon, faut qu'il survive. Eh oh, m'attaque pas dans le dos toi. Je vais vous mettre en pièce. Voilà, parfait. Ah, j'aime pas jouer à 3 personnes, je trouve que c'est pas immersif, mais on est emmerdé par le truc là. On dirait que quelqu'un a creusé ici très récemment. Ah bah quoi, il y a des pays, ça il n'y a pas. Okay.
creuser, tu te fous de ma gueule. Creuser quoi. Hop. Alors. Flèche de hammer, magistral. De l'argent. D'accord, là ok, t'as creusé, d'accord. Je vais pas croire que t'as creusé toute la galerie, quoi. Faites attention auprès des pierres tombales. Je ne voudrais pas vous ramener à Yorvask sur mon dos. Un 7-4-3. Ah, le bug qui est revenu, c'est pas possible. Aïe. Ça avait rien fait. Ça dans ta face. Putain, c'est quoi ça? Allez, viens par là toi. Je vais vous écraser comme un abeille. Allez. On va faire casque à plus de vie. Moi aussi je commence à en manquer là. Ouh là là là. Attendez. Ah, troisième personne, ça me trouble. Il va mourir ce con. Je rêve la vie d'Ovakin. Ça, c'est fait. Bon, bah ça avance, on a à peu près bien tiré. 45, ça vaut que dalle, ça en thune. Ah là, il y a de l'argent. De l'argent. Alors, bah du coup, je suis perdu. Je ne sais pas où je dois aller. Nous devrions continuer. Ok. Je sais pas où c'est. Putain, c'est chiant ça. Pourquoi ça fait ça? Attendez, je vais essayer un truc. Voilà. Ok. Bon, j'ai trouvé l'astuce. Ah, j'ai trouvé une porte. Ces bruits sont inquiétants. Lingot de fer. Ok, on va prendre. Ah oui, faut pas que j'oublie que j'ai le sort transmuté le métal là. Dégage. Toi, ici. Tu dégages. Attention à vous. Essayons de trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Autres qui foncent alors qu'il y a des ennemis quoi. Ce que vous savez faire. Faust. Il a pas l'air de réagir le Farkas là. Je sais pas ce qu'il a fait. Attends, j'hallucine. Faites attention avec ça. Attends. Il y a même un fourreau pour Non, sérieux? Attendez. Il y a un fourreau pour Alors attendez. Je sais, oui, vous êtes pressé, vous avez envie de me voir avancer, mais je veux voir. Oui, il y a un fourreau, dis donc. Intéressant. D'accord. Ok, je savais pas, excusez-moi. Pour fond des dragons, voilà. Hôtel de désenchantement, bah je crois que j'en ai pas sur moi, je les ai mis sur mon cheval en plus. Ouais, c'est même ce qui semblait. Ça va falloir qu'on s'en occupe après.
Je sais plus trop comment ça marche, c'est ça le problème. Ok, y a rien là. Alors attendez, on observe quand même. Un crâne, peau de chair. Il est bien enveloppé, lui. Il y a une grille. Il n'y a rien pour l'ouvrir. Ah, on a trouvé. Ok. Bon. Ah putain, merde, non ! Ah non ! Non ! Farkas, t'es où ? Eh bien, vous voilà dans le beau drap. Pas d'inquiétude. Restez où vous êtes, je vais trouver le mécanisme. Attention, derrière toi ! Derrière toi, Farkas ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh putain, il est mort. Il est mort. Déjà qu'avec des drogues, il n'y arrive pas, alors... Grosse erreur, compagnon. De quelle est-ce ? Je m'en fiche. Il porte l'armure, il doit mourir. Votre mort fera une très bonne histoire. Vous aurez du mal à la raconter si vous êtes mort. Oh ! Voilà, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il... Oh bordel ! J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Non, du tout. Et que tu reviennes en plus avec une autre armure. Ça, ça fout les jetons, par contre. C'était quoi, ça? C'est une faveur accordée à certains d'entre nous. Nous pouvons devenir semblables à des bêtes sauvages. Redoutables. Vous allez faire de moi un loup-garou? Oh non. Seuls les membres du cercle possèdent le sang bestial. Prouvez votre honneur et vous deviendrez un compagnon. Gardez les yeux sur la proie et non sur l'horizon. Nous devrions continuer. Il y a encore les drogueurs dont il faut se méfier. Ok. Donc vous voyez, c'est ça que je disais. La téléportation. Hein. La transformation, je veux dire. Pourquoi on pourrait pas avoir l'armure de Guts et en appuyant sur le bouton se transformer en armure de Berserker? Franchement, ce serait stylé, quoi. Main d'argent, tiens, c'est pas la première fois que je les vois, eux. Cape courte. Moi, je la vois pas si courte que ça. La silver, non, on va pas la prendre. Oui, on est là. C'est le mec est complètement discret, c'est... Aïe. Oh, jolie vue sur sa poitrine. Ouf, c'était moche. Je vous aurai. Aïe. Ça lui a fait. Oh, ça fait mal. Il en a perdu la tête, le pauvre. À manger. On en prend. Rien qui m'intéresse. L'arc de Merc à 270, quand même. Il me faut de l'argent. Il faut que je me refasse. 350 l'armure. Ouais, on peut trouver mieux. Comme à mon avis, les drogues, c'est fini. On va tomber sur les mains d'argent. Enfin, je préfère que ce soit un peu plus facile à tuer, quand même. Et j'ai mon truc d'armure qui redéconne, j'ai l'impression. Je vais l'enlever, ça. Je m'en doutais. Et il n'y en a pas d'autres. Ouf ! Surgit comme ça, elle. Venez donc. Aïe, putain, la vache qu'elle m'a mis. Vous voulez ?
Ah, oh, putain, fait mal. Ah, je vais mourir, là. Je vais mourir. Farkas, t'es où, Farkas? Alors, attendez. Vite, du soin. C'est bon, je l'ai déstabilisé. Ah, je l'ai mis à mal. Ah, c'est bon. Calme-toi. Voilà, ça c'est de l'argent par exemple. Ça c'est de l'argent. Par contre, putain, 355. Je suis trop fatigué ou quoi? Armure de fer, botte de plate. Attendez, je regarde un truc. Est-ce que ça joue sur ma... Wow. On va se soigner. Voilà. Oh, j'ai bien visé. Allez, crève! Arc de Hammer 270. Ouais. L'épée nordique, quoi, ça vaut plus rien, quoi. Putain, où est l'époque où je ramassais tout Ah, attendez. Est-ce que je l'ai remis, lui? Non, je l'ai pas remis. Voilà pourquoi. Alors, si ça commence à trop me faire chier le truc, je vais enlever l'armure. Oui, un coffre. Maître. Ouh, alors attention. Là, on ne rigole pas. Faut juste trouver où est-ce qu'il est. À mon avis, c'est tout au bout. Doucement. Ça commence à me prendre la tête. Du coup, je me demande si ça vaut pas le coup d'améliorer. Ouais, quand même. C'est pas là. On va y aller étape par étape. Ah. On l'a trouvé. Alors. C'est pas comme ça, doucement. Ok, c'est un peu plus. Un peu moins. Ah, je vais trop vite. Attendez, je ne sais plus où c'est. Ça commence à me prendre la tête. Bah merde alors, c'était par là pourtant. Trouvé. Ah. Aucune serrure ne me résiste. 250, hystérie. Un vigueur et... Ouh, de l'argent! De l'argent qui me vient! Oh, une bourse! Je l'ai pas vu! bon, alors, du coup, on continue, c'est par là. Petit rayon de lumière qui est sympathique. Des marches. Oh, des potions! Ça, je dis pas non.
Épée d'acier, ouais. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Allez, voilà. Il est temps d'en finir. Ok. Vous croyez à la hauteur? Bah, elle se prend des pièges, cette conne. Est-ce qu'elle lui a mis? Arca, derrière toi, derrière toi, derrière toi! Il est con! J'arrête! Il se défend plus, Farkas! Bah, attaque! Qu'est-ce qu'il fait? Farkas, il va falloir travailler. Mais à mon avis, je pense que t'es bugué parce que t'es pas censé avoir l'armure. Hein. Nous devrions continuer. C'est quoi la main d'argent, tiens? Oui. De mauvaises gens qui n'aiment pas les loups-garous. Alors ils ne nous aiment pas non plus. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes les méchants? Pas tous, mais les membres du cercle, oui. Personne n'est au courant. D'accord. À la prochaine fois. Donc j'attends d'être méfiant parce que lui il n'attaque plus en fait, il se défend plus. Silver regrette souvent, ça serait bien d'en avoir une quand même, ça pourrait être cool. Allez, on la prend, allez, on la prend, allez. Ça pourrait être un épée assez intéressante à améliorer, je pense. Surtout que de... J'en ai... De l'argent.